Bonjour, je m'appelle Lisa, je suis chargée de communication digitale en apprentissage au sein de Nexter. Bonjour, et moi donc c'est Maxence, et je suis apprenti en ingénierie d'instrumentation et métrologie. J'ai fait 2 ans de classe préparatoire aux grandes écoles littéraires. J'ai passé des concours et j'ai obtenu une école en communication. J'ai fait mon bac plus 3 en initial et puis j'ai choisi de faire mon master 1 et mon master 2 en apprentissage. Et j'ai trouvé un poste chez Nexter. Pour ma part, c'est donc d'abord un DUT mesures physiques à Bourges. Ensuite une prépa ATS, donc à Clermont-Ferrand. Et puis je suis ensuite entré en école d'ingénieur à Polytech Lille. J'ai grandi pas mal avec ce milieu. Au final, Bourges est très axé sur le domaine de la défense. Donc j'ai toujours entendu parler voilà, de Nexter et des autres groupes présents sur le sol. Et j'y étais un peu allé en étant curieux. Au final, aujourd'hui, je me retrouve dans un milieu très innovant et je me plais énormément. En fait, je me retrouve beaucoup dans ce que dit Maxence parce que c'est vrai que dans mon choix d'apprentissage, ça a été la curiosité. Je connaissais Nexter par d'autres biais et quand j'ai vu toutes les offres que Nexter proposait, j'ai vraiment vu de l'innovation et j'ai vu qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire en termes de communication. Et ça a été le challenge et la curiosité du monde de la défense qui m'ont vraiment appelé. Je vous dirais déjà que le monde de la défense, c'est un milieu très très ouvert, qu'on pense directement ingénieur quand on parle défense. En fait, il y a toute une panoplie de métiers. Et pour les jeunes femmes, les collégiennes ou les lycéennes qui nous regardent, il faut aussi penser que c'est un milieu qui a besoin de nous et qu'il ne faut pas s'excuser d'être là et qu'on a besoin de nous dans ce genre de secteur et qu'on est les bienvenus. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Ne surtout pas hésiter. En fait, toute expérience est bonne à prendre, quoi qu'il arrive. Vous ferez qu'apprendre. De toute façon, qu'il arrive, vous ferez qu'apprendre.